j'exècre tous les marchands du temple. Ceux qui ont une foi à acheter, une foi à vendre, sous couvert d'une cause à défendre. J'exècre les croyants et les pratiquants de la mauvaise foi, ceux qui font croire qu'ils croient. Rien que pour s'ouvrir une voie. J'exècre le spectre de tous les mensonges d'État qui appellent vérité, le songe qui les arrange, et contre-vérité, le songe qui les dérange. J'exècre tout moi qui se prend pour un roi, et tout roi qui se prend pour moi. J'exècre tous ceux qui nous leurrent en nous faisant peur. Tiens, je vais paraphraser un auteur en leur disant « N'ayez pas peur de la peur. Elle n'est pas là pour vous effrayer. Elle n'est là que pour vous faire savoir que quelque chose en vaut la peine. Et l'homme au couteau me fait moins peur que les hommes qui nous mènent en bateau. La terreur provoquée par l'un est moins trompeuse que l'horreur convoquée par les autres. Tous ces gens qui ne sont ni vraiment indulgents, ni vraiment intelligents, me font dire que j'exècre la vie qu'ils idolâtrent ou qu'ils rendent exécrable. Non la leur, ni celle de leurs apôtres, mais celle des autres. Mais j'exècre les jours et les amours dépourvus de rêves où l'on se contente d'une fève dissimulée dans une galette qui vous fait croire que tout moi est un roi. Oui, et quand on tire la couverture à soi. C'est pas aujourd'hui, c'est toujours demain l'épiphanie, la galère des rois. Mais j'exulte. J'exulte de savoir que tout finit par